Hello. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc, je vous explique vite fait. En fait, cette vidéo, j'ai fait le début, j'ai fait le tirage au sort. Donc, j'ai oublié de mettre le son. Mais ça va, je m'en suis rendu compte au courant de la vidéo. Donc, c'est pas grave, je vais reprendre. Donc, au tout début, je vous fais le tirage au sort pour le concours du 2 février. Et notre gagnante, c'est Ophélie, qui a remporté donc le sérum acide hyaluronique. Et Alexandra, donc, qui elle a remporté la crème collagène. Donc là, juste après cette explication, vous allez voir donc bien sûr le tirage qui fait foi. Sans le son, je m'en excuse vraiment, désolée, je mettrai un petit fond de musique, bien sûr. Mais voilà, le tirage, vous allez le voir sans le son, j'ai oublié de mettre le son, je suis vraiment, vraiment désolée. Du colis du mois, et ce mois, je vous expliquais justement au début de la vidéo. Donc, c'est un pack que j'ai pris. C'est le pack le plus gros que Power Star propose en make-up. Donc, c'est un pack d'une valeur de 500 et quelques en produits. Donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de produits dedans. On va l'ouvrir ensemble. Là, je l'ai pas encore fait, donc du coup, on va l'ouvrir ensemble et avec le son. Donc, ça va être génial. Enfin bref, c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent, ça se rattrape, il n'y a pas de souci. Donc dans ce pack, je vais avoir plein de fards, je vais pouvoir enfin faire des make-up 100% power pour pouvoir vous parler de la qualité des fards et puis tout ça.
Et du coup, comme je vous disais, c'est un pack normalement d'une valeur de 500 euros. Et pour les distributeurs, et c'est pour ça que j'arrête pas de dire que franchement, ils sont dans le respect de leurs employés, hein, des distributeurs, parce qu'ils nous proposent plein de petits packs de ce type-là, qu'on peut utiliser donc pour nous, en l'occurrence, c'est ce que je vais faire, donc c'est pour pouvoir vous proposer une large palette de fards. Mais en tant que distributeur, je pourrais aussi les revendre à la pièce. Et ça, c'était important que je vous le dise, parce qu'on a vraiment de super packs et on peut en prendre autant qu'on en veut en tant que distributeur. Voilà, donc information passée. Maintenant, nous allons ouvrir ensemble ce colis que j'attends. Parce qu'il faut savoir que je l'ai reçu jeudi, non, pardon, samedi. Et depuis samedi, j'attends ce moment, je vais pouvoir vous faire une vidéo et ouvrir enfin ce colis ensemble et toucher enfin ces phares et enfin découvrir tout ça ensemble. Il n'y a pas que des phares, hein, ils m'ont mis. Dedans, il y a des rouges à lèvres, il y a aussi quelques fonds de teint dans plusieurs couleurs. Franchement, il est super intéressant. Je crois que je vais arrêter de parler et on va l'ouvrir ensemble. Donc c'est parti, j'ai juste trop hâte de vous montrer tout ça. Je vais poser un petit plateau. Vous faites pas attention au fond du plateau, c'est parce que c'est des plateaux ateliers pour les enfants. Donc forcément, ils sont tout tachés de peinture ou de vernis ou de ça dépend de l'atelier qu'on fait. Et oui, mes enfants font des ateliers vernis. Ouais, oui. Tant qu'à faire. Voilà. Mon plateau tout décoré. Le colis que j'avais commencé à ouvrir quand je me suis rendu compte que j'avais pas mis le son. Donc comme vous voyez quand même, j'ai pas ouvert plus que ça. Donc il y avait le carton comme ça qui bloquait, qui était sur le côté. Je vais essayer de le remettre comme bon. Pour vous montrer quand même comment la société s'applique à bien emballer. Donc ils ont bien mis du papier bulle et ils avaient bien bloqué en plus avec ce carton en plus pour éviter que ça bouge. Franchement, super. Donc livré par DPD, commande faite le lundi, reçue le jeudi. Oh bah dis donc, j'ai du mal avec le jeudi. Donc passé le lundi, reçu le samedi matin. Délai respecté, vous voyez le carton n'est pas abîmé, tout est impeccable. Maintenant on y va. On lance tout ça, on démarre. C'est parti. Donc qu'est-ce qu'on a là? Alors je découvre, hein. Mais comme c'est écrit en italien, je n'ai pas pris le temps de vraiment tout. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais découvrir tout ça en même temps. Je vais me servir de ciseaux parce que, bah, comme vous voyez, c'est super bien emballé. Hop, 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 là, ça doit être des monos. Clairement. Je vais mettre ça là par terre. Hop, allez, c'est parti. Donc, on est sur des monophares. Et là, c'est le numéro 25. Premier monophare. Hop. Hop. Donc, ils ont leur petite. Vous les recevez avec un petit pinceau. Et on a. Oulah, j'en ai mis partout. Bravo Nadia. Voilà, ça commence bien. Donc là, on est sur un fard en poudre. Je sais pas si vous avez. Oh, le rendu n'est pas terrible. Dans du bleu. Et puisque j'en ai pris là sur le doigt, on va le mettre sur son pinceau. Et on va le. Oh waouh, magnifique. Je sais pas si vous arrivez à voir. Mais la brillance est sublime. Il est illuminateur dans un bleu pastel. Oh, voilà. Regardez là sur mon doigt. Je vais le travailler. Regardez un peu la brillance.
Super. Voilà. Première bêtise faite, hein. On va fermer, éviter de refaire. Et oui, c'est écrit en italien, j'ai pas fait attention que c'était ce en poudre. Donc maintenant que je le sais, je vais faire attention. Prendre ma serviette. Hop. Ça, c'est fait. On continue avec les autres. Donc celui-ci, c'était le bleu-gris. Là, on est sur un blanc. Là. Là, on est sur le blanc. J'espère que je vais pas renverser encore. Alors là. Tout ça, bien sûr, au fur et à mesure, je vous montrerai comment ça se travaille. Toujours petite. Dans chaque petit mono, on a ces petits pinceaux. Vous trouverez ça. C'est pratique à avoir dans une trousse. On peut faire des retouches. On peut. Franchement, c'est pratique. Moi, je les garde. Aller plus vite quand même. Donc là, on est sur un Parme. Là, on est sur un or, blanc or. Et après, il y a le dérivé. Je vous en parlerai donc plus à chaque fois courant de chacun de mes make-up. Hein. Et celui-ci, waouh, il a l'air terrible là. Il a l'air terrible. Regardez un peu ce bleu. Waouh. Donc voilà pour les premiers monos. On est sur des monos qui sont illuminateurs, hein, qui brillent une fois travaillés. Dans cela, j'en ai 6. Je sais pas si vous arrivez à. Je vais faire comme ça. Comme ça. Et hop. Voilà, c'est mieux. Je vais la tourner. C'est la couleur. Voilà. Donc, dans les premiers fards que j'ai reçus, là, on est sur des rouges à lèvres. Et là, comme vous voyez, l'embarras du choix, c'est génial pour démarrer. Franchement, super! Super! Là, qu'est-ce que nous avons? Hop! On vient de pas me dire que c'est mal emballé. C'est chiant à déballer en fait. Ils ont peur pour leur produit. Hein.
3, 4, 5, 6, 7. Et voilà. 8 poudres compactes. 3 fonds de teint compacts. 6 fards donc en poudre minérale brillant métallique. 6 rouges, je ne sais pas si c'est des sans transfert, il me semble que oui, dans tous les cas, voilà, on découvrira ensemble au courant de mes vidéos. Et donc là, encore, j'ai pas fini. Encore des monophares. Alors, est-ce que c'est en poudre minérale? Il me semble que oui, maintenant, oui, c'est ça. C'est la suite en fait des poudres métalliques. Minérales, métalliques. Le petit pinceau. Voilà. Donc en fait, une fois qu'ils se travaillent, ils ont leur dérivé, ceux-là. Donc on voit que c'est blanc, mais c'est ou blanc rose ou blanc. Voilà. J'en saurai plus une fois que je les utiliserai et je vous donc dirai quelles sont les teintes. Petit pinceau encore. Et hop, 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 et voilà. De quoi faire de jolis make-up artistes avec ça. J'ouvre encore un paquet. Il nous en reste encore deux, hein, de gros à ouvrir là. Encore des fards poudre minérale. Donc là, on a toujours dans les minéraux, mais là, c'est des teintes. Voilà, là, c'est rosé. Blanc, donc forcément dérivé vers une couleur, on va le découvrir ensemble. Idem, oh, il a l'air d'aller vers le vert celui-là. On le sent qu'il penche vers le vert. Il doit être magnifique. J'ai juste hâte, je crois que vous l'avez compris, swatcher tous ces fards, tester tout ça. Pouvoir vous montrer tout ça sur un make-up, j'ai hâte. Encore un rose, un peu plus foncé que le premier que je vous ai montré là. Là on est, oh, un jaune magnifique. Regardez-moi ça. Jaune or. Deux jolies couleurs là-dedans. Et là, nous avons un foncé. Je dirais un gris foncé, brillant. Alors, tous ces petits pinceaux pour les filles qui sont, ou les garçons, hein, qui sont dans la distribution, c'est pratique, gardez-les, parce que vous pouvez, bah, du coup, faire tester, surtout en cette période, hein, pour faire tester vos clientes, et ça se lave, ça se récupère. Moi, comme vous voyez, je garde. Ça,
ça me permet de faire tester au client. Là, alors on va y aller étape par étape. Là, c'est encore des monophares. Et là, on est sur des mats qui me semblent. On va voir ça ensemble. Comme je vous dis, je découvre la marque, je découvre les produits et je vous fais tout découvrir en même temps. Que vous soyez cliente ou future distributrice, je trouve que voilà, ça vous en dit plus comme ça, de cette manière-là, sur les produits. Qu'on soit distributeur, qu'on soit client, on est consommateur, hein. C'est toujours bon d'avoir une bonne idée. Voilà, hop, comme ça je l'ai. On voit d'avance les couleurs, waouh. Voilà, c'est simple, les couleurs par des mêmes. Donc là on est bien sur des mats. Regardez-moi ce marron. Pardon, sur des compacts. Alors là c'est un satiné, marron satiné. Regardez ces petites paillettes, c'est fin. Je vais le laisser comme ça. Regardez celui-ci aussi, légèrement irisé. C'est super. Regardez-moi ces petites paillettes subtiles. Je vous les mettre, je les entrepose comme ça vous pourrez voir les couleurs. Donc là, on est sur un petit beige. Non, il n'est pas pailleté, regardez. Hop. Beige naturel. Regardez-moi ce marron orange. Il est magnifique. Il fera bien. Là, ensemble, ça fait joli. Là, on est sur un bleu-gris. Bleu. Noir. Là, c'est du mat, ça se voit, ça brille pas. Un autre petit satiné, rose satiné, très joli. Et un petit gris satiné aussi. Voilà pour les monophares. Alors, si avec ça, on n'a pas de quoi faire, je m'y connais pas, hein. Là, je vais pouvoir vous swatcher plein de couleurs, plein de make-up. C'est génial et c'est pas fini. Il nous reste celui-ci à ouvrir ensemble. Oh, c'est bleu. Il y a les couleurs qui tombent sous. C'est magnifique. Donc, notre série, dernière série de monophares. J'ai une belle collection de phares avec ça. Alors, allons-y. Waouh. Violet irisé. Regardez-moi ces paillettes. Waouh. Donc, je vous le laisse hein. Comme ça. Ça va donner une belle idée des phares qu'on a. Oh, ce bleu marine. Hop. Mat. On ne voit pas bien. Là, on voit plus sa couleur comme ça. Voilà. Un bleu foncé. Magnifique. On le voit mieux comme ça. Rose mat. Pareil. Rose fuchsia. Je vais le mettre à côté du bleu. Rose clair. Naturel pour donner de la lumière, j'associerai plus. Voilà, hop, je vais essayer de faire ça pour qu'on puisse voir toutes les couleurs. Le blanc, alors le blanc est légèrement irisé, mais alors vraiment léger. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Oh non. C'est léger,
Je ne vais pas réussir à vous le montrer comme ça, c'est léger. Je vais le mettre là. Est-ce qu'on arrivera? Je pense que. Oui, on voit un tout petit peu comme ça. C'est léger. Le blanc est vraiment léger, légèrement. Là, on est encore sur un bleu mat. Je sais pas si vous arrivez à voir. On a 1, 2, 3, 4. En mat. Oui, celui-là aussi. Après, il y a les pailletés en minéral. En violet aussi, on a un joli dégradé. Regardez. Il y a trois différents. Alors, celui-ci est brillant. Il est satiné. Et ceux-là sont deux mats. Là encore, un rose plus clair que celui-ci. Et dans les roses, on en a aussi dans les minéraux. Voilà. C'est pas magnifique. Il est pas magnifique, mon plateau. Bah, franchement, oui. Il vaut son prix. Au niveau de la quantité de produits, c'est vraiment super. C'est un pack pour une distributrice. Voilà, qui a envie de se spécialiser dans le make-up. Elle prend ce pack, elle a de quoi faire, de quoi tester, de quoi faire tester. Parce que même au niveau des teints qu'ils nous ont mis, des fonds de teint, on peut jouer sur le teint. Et grâce à toute cette variété de poudre compacte pour la finition, eh ben vraiment, on a de quoi faire. Moi, je suis vraiment très contente. On va voir ensemble ces petits rouges. Il me semble qu'ils sont sans transfert. Allez, on va tester ensemble le rouge. Je reprends la caméra. Coucou! J'ai hâte de les tester. Donc, vous l'avez compris, prochaine vidéo, ça sera une vidéo make-up, bien sûr. Là, on va tester ensemble le rouge, s'il est sans transfert ou pas. Donc, ce que je vais faire pour vous montrer, eh ben, je vais mettre juste un côté de ma lèvre. On va attendre que ça sèche. Je vais essayer de ne pas toucher l'autre lèvre. Allez, on fait celle du haut. À l'application, déjà, j'aime bien. J'aime bien ce rouge. Ah, il faut pas en mettre en bas. J'ai essayé de pas toucher ma lèvre en bas. Donc il me semble pas que ce soit un rouge à lèvres sans transfert. On va faire le test. Ok. Donc on n'est pas sur du sans transfert. Après je vais confirmer. Je regarderai. Si j'arrive pas à voir, je verrai avec ma upline. Ne vous inquiétez pas. Je suis proche upline comme toujours. Je verrai directement. Ou avec ma collègue française, hein, la numéro 1 France. Ou avec les Italiens, qu'est-ce qu'ils disent? Sinon, on est d'accord. Hein. C'est pas un sans transfert. Par contre, il est magnifique. Je sais pas si vous voyez. J'adore. Il est doux. Comme vous avez vu, j'en ai mis en haut seulement. Franchement, super. J'adore et ça va bien avec mon haut. J'adore ce rouge. Voilà. Si vous voulez la référence, tant que j'y suis. Donc, c'est celui-ci. Et c'est la référence. C'est le numéro 6. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Voilà. Rossetto Liquido Creamy. Numéro. Ah non, c'est le numéro 5. Voilà, le numéro 5. Voilà les filles, pour celles à qui il a plu. Je le tiens à l'envers. C'est mieux comme ça. Voilà. Regardez pas mon vernis. J'ai paumé mon dissolvant.
Je l'ai cherché partout ce matin. Je me suis dit, à chercher le dissolvant, je ne vais pas faire la vidéo encore. Donc, je vais faire la vidéo, c'est pas grave. Donc, voilà, voilou, je suis très contente de ce petit rouge que je vais garder du coup. Je vous laisse, je file, j'ai une journée bien chargée. Et prochaine vidéo, bien sûr, ce sera une vidéo make-up. On va tester tous ces jolis fards. J'ai juste hâte. Voilà, je crois que ça se voit, hein. D'accord? Très bien. Allez, bisous, à la prochaine pour un petit swatch. Ah, n'oubliez pas, mercredi, je propose donc le Zoom Make-up. J'en fais deux ce mois-ci. Donc ce mercredi, pas la semaine prochaine, puis la semaine d'après, dernière semaine de février, encore un mercredi où je ferai un Zoom Make-up ouvert au public. Donc toutes celles qui ont envie de venir participer avec nous à ce Zoom Make-up et du coup me poser les questions en direct par rapport à tous ces fards, toutes ces textures, toutes ces nouveautés. Eh bien, vous êtes les bienvenus. Si j'ai pas le temps de vous répondre, vous inquiétez pas. Il y aura sûrement une des filles qui vous répondra. Voilà. Je vous fais là de gros bisous et je vous dis à très 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 vite.